Au Cameroun, il existe un problème fondamental, enfoui dans la terre. Fertile, pleine de ressources, les terres sont le problème. Des sociétés d'exploitation s'arrachent chaque hectare de forêt, aux dépens de l'environnement et des populations locales. Nous sommes à Doualabiou. Doualabiou, une localité riche en ressources naturelles, notamment les marbres. Les gens ici vivent essentiellement de l'agriculture, un peu d'élevage, un peu du commerce, un peu de la pêche. Norbert Boba, habitant de Doualabiou, dans la commune de Figuil, est aussi le président de la CELPRO, une association qu'il a fondée, exaspéré par le comportement des deux entreprises qui exploitent pierre et marbre depuis plus de 50 ans dans la région. Si nous avons créé cette association, c'est en vue de défendre les droits des riverains des sites miniers de la localité de Figuil. Depuis 1961, que l'entreprise Siminkam s'est installée à Figuil, et depuis 1946, que l'entreprise Rokaglia s'est installée à Figuil, nous, en tant que communauté riveraine, subissions des effets néfastes. Le marbre, c'est la malédiction de Figuil. On en trouve partout, dans chaque champ, à même le sol, et on le vend au bord de la route pour un prix dérisoire. Mais son exploitation industrielle n'est possible que pour des sociétés qui en ont les moyens, le plus souvent garnies de fonds étrangers. Pollution de l'air, déforestation, les exploitations minières ont des retombées notables sur l'environnement fragile de cette région sahélienne. Mais elles n'ont presque aucun impact sur l'économie locale et pour les populations riveraines, tenues à distance de toute redistribution des richesses, malgré la loi camerounaise. Nous ne sommes pas contre ces investisseurs, mais on a la loi cadre sur l'environnement que nous voudrions que ces entreprises respectent. La norme environnementale, nous avons des tests, les standards. En 2012, je crois, si je ne me trompe pas, lorsque nous avons mis sur pied cette association, on a trouvé dans le code minier de 2001 stipule que la commune territorialement compétente devrait avoir 25% des revenus issus des activités minières. Dès lors qu'on a donc promulgué cette loi et que c'est en application, la commune de Figuil devrait en bénéficier. En plus des populations locales, les entreprises exploitant les ressources minières de la commune de Figuil se sont mises à dos les autorités traditionnelles. Le Lamido, chef du village de Biou, s'inquiète de l'accaparement croissant des terres, notamment des terres traditionnelles. Ça se ferait à quelques centaines de mètres de la principale carrière de marbre de la région. Et depuis 2012, l'entreprise Rokaglia prévoit d'étendre ses activités sur des terres importantes pour les habitants du village. Les 3500 hectares qu'a borné l'entreprise en vue d'en faire une seconde carrière recouvrent en effet des lieux sacrés, notamment les tombes des précédents chefs. Oui, il y a beaucoup de ressources. Il y a l'uranium au sud de ce canton et il y a l'or qui est à l'est de notre canton. Ça risque de se compliquer pour vous. Oui. C'est un peu compliqué, mais c'est une richesse que Dieu nous a donnée. C'est seulement qu'il y a une mauvaise exploitation.
Sur des terres presque trop riches, les populations se sentent dépossédées, encerclées par des industries sans considération pour elles. Le problème vient du fait que les communautés ne possèdent pas les terres qu'elles occupent depuis des générations. Libre donc un investisseur d'obtenir un droit d'exploitation sur ces terres. Dans le village voisin des Bizarres, la situation s'est envenimée lorsque 43 foyers, réunissant près de 900 personnes, ont ainsi été menacés d'expropriation. Ils sont venus ici en 2005 pour placer ces bornes-ci. Et l'année-là, il y a même une case construite là. Ils ont fait écrouler la case pour placer leurs bornes et ils n'ont rien dit à quelqu'un. Ils passent seulement, ils placent. Et l'année également, au village, tu sais que les gens sont inquiets, les gens ont la peur, l'ignorance. Personne n'a réagi et ils ont placé les bornes un peu partout. Ces bornes délimitent une future carrière ou l'emplacement d'une potentielle usine. Chaque borne est la menace d'une expropriation, devenue bien réelle en 2016 lorsque les foyers concernés ont reçu une sommation de libérer ces terres. La sommation consistait à demander à un occupant de quitter. Et ce qui est l'essentiel ici, c'est de quitter dans un délai de 8 jours. Et la sommation date de 2016. Donc vous voyez qu'on a placé les bornes en 2005 et on vient donner la sommation en 2016. Nous, on ne connaît pas ce qui s'est passé entre-temps. Si c'était normalement, on devait sensibiliser les populations depuis 2005 que ici, vous devez quitter. Mais un bon matin, on vient, on dit, vous quittez le 7 mai. On dit que dans 8 jours, donc dans 14 mai, vous devez quitter. Donc dans 8 jours, 14-15 mai, vous devez quitter. La population saisit alors le préfet qui a calmé la situation, même si aucune solution de long terme n'a encore été trouvée. Il faut que le dialogue et que l'État est garant et que l'État va trouver une solution qui peut nous aider, qui peut aussi aider les multinationales, parce que nous ne sommes pas contre eux. Parce que quand je réfléchis un peu dans ce sens-là, cette richesse, si les gens ne viennent pas exploiter, ce n'est pas aussi bien, parce que ça fait partie de ça va booster l'économie du pays. Mais il faut la discipline, il faut les tests qui régissent ce genre d'activité. Au siège de la CELPRO, Norbert collectionne les documents prouvant des irrégularités dans les exploitations minières de la région. Ça, c'est une note qui explique vraiment que l'entreprise, la compagnie Siminkam a débordé de sa superficie de manière illégale. C'est-à-dire qu'elle prend là où elle n'est pas censée prendre. On vous prend vos terres comme ça, alors que les terres ou les champs ne font pas partie. Imaginez si cela, la Siminkam a augmenté de 61 hectares. Ça veut dire que les riverains qui sont autour donc, de la carrière sont déjà absorbés par cette entreprise. Donc, et du coup, on dira que c'est l'État qui aurait lui concédé alors que ce n'était pas l'État. Donc il profite pour arracher donc, les terres des communautés. Ça, c'est ce qu'on appelle beaucoup plus. Donc, c'est ce que nous appelons donc, l'accaparement des terres. Ces mêmes documents attestent aussi des absurdes redevances demandées aux entreprises extractives. 300 francs, soit moins de 50 centimes d'euros par mètre cube de marbre extrait. 50 000 francs, soit moins de 100 euros par an et par kilomètre carré de terrain exploité. Des sommes ridiculement basses qui n'arrivent le plus souvent même pas jusqu'aux populations locales. En attendant d'être entendus, les populations tentent de s'organiser, d'agir. Elles se réunissent pour rassembler leurs doléances, surveiller leur environnement et la CELPRO obtient progressivement de petites victoires, notamment celle d'avoir établi le dialogue avec la Siminkam. Changement radical de décor. La côte camerounaise est une des régions les plus prisées du pays. Les terres y sont fertiles et le nouveau port en eau profonde de Kribi assure une porte de sortie rapide aux marchandises. Les concessions fleurissent et les litiges fonciers aussi. C'est à Kribi,
la principale ville de la région du Sud, qu'est venu s'installer Emmanuel Mounzondi. Il est un natif de Makouré, plus à l'intérieur des terres, où un litige foncier est venu déchirer son petit village. La société agricole de l'Océan y a obtenu une concession pour plus de 500 hectares de plantation. Emmanuel et sa famille leur reprochent cependant de s'être accaparé une partie de leur jachère et de ne pas avoir respecté le protocole d'accord passé avec les villageois. Aucun cahier de charge n'a été respecté. Rien n'a été fait. Il a dit qu'il va réhabiliter les salles de classe, il va faire un puits d'eau, les petits groupes vergenettes. Rien et rien et rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Et tandis que la cacaoyère est déjà en production. Puisqu'ils ont commencé même les travaux du champ avant l'obtention de la concession provisoire. Donc, ils n'ont rien respecté jusqu'à aujourd'hui. Rien du tout. Emmanuel est parti en croisade contre cette société qui a refusé de répondre aux sollicitations d'interview. Il s'attaque, document à l'appui, à la régularité de la procédure d'obtention de ce terrain. Ici, nous avons le procès verbal du litige foncier. Un constat s'en est dégagé, selon M. Elang Michel, celui du non-respect de la procédure, car il n'y a pas eu d'étude d'impact environnemental, ni de mission d'enquête du MINFOP. Dans cette procédure, il dénonce notamment l'absence de la signature des délégués à l'agriculture et au cadastre. Ce dernier, joint par téléphone, corrobore la version d'Emmanuel. Bonjour, monsieur le délégué. Oui, oui, si je fais partie de la commission. Oui. Et que je n'ai pas signé, ça veut dire que je n'étais pas là. Oui. Et que je n'ai pas assisté à la commission, et ce n'est pas régulier. C'est pas. Ok. Dans le cas de Makouré, Emmanuel semble avoir lui-même identifié le problème, l'absence de dialogue avec l'entreprise. Il y a des conflits presque partout sur l'affaire des terrains. Puisque Bidou, village Bidou, qui est à côte à côte avec nous, a un problème similaire avec Evecam. Ils veulent une concession, mais eux, ils sont quand même en pourparler avec les gens de Bidou. Evecam n'est pas en train d'aller à la production, mais ils sont en train d'aller négocier avec les gens de Bidou pour dire que, ok, voilà, nous voulons occuper votre espace, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Au bout d'une interminable piste émaillée de bourbiers, Makouré n'est qu'un village de quelques maisons éparses, au milieu d'une végétation luxuriante. Le village est constitué de trois grandes familles qui le divisent en trois quartiers et en autant d'intérêts distincts. Dans la chefferie, dès que le sujet de la SAO est abordé, le ton monte. C'est vous qui avez bloqué ça ? Voilà une société qui est en train de progresser dans même à 100 ans l'hectare. Nous-mêmes. Le désaccord entre les habitants du village est énorme. Le chef du village raconte une toute autre histoire que celle d'Emmanuel et accuse ses désunions des villageois. Il tient pour preuve la rénovation de l'école du village. C'est que Sao a commencé à respecter le protocole d'accord puisque en premier, ils ont commencé à nous payer la redevance à main. Mais jusque-là, nos frères n'étaient pas satisfaits. Ils ont toujours cru que la redevance, c'était les compensations qui devaient leur revenir. C'est à partir de là qu'il y a eu le tiraillement. Nous sommes partis à plusieurs fois chez le sous-préfet. Nous sommes même partis au cadastre. Nous sommes même partis chez le préfet à maintes reprises. Monsieur le préfet a cherché à arranger ce problème. Mais jusque-là, il n'y a pas eu d'issue. Jusqu'à ce que tout s'était arrêté. C'est à partir de là que tout s'était déjà arrêté. Et la SAO avait déjà commencé à investir. Puisqu'ils avaient déjà commencé les réfections. Vous-même, vous regardez là, cette peinture, ces portes, c'est la SAO qui avait fait. Il y avait les portes, les fenêtres en bois ici, c'est la SAO qui avait mis les costras. C'est la SAO qui avait refait la peinture qui est là. Donc, c'était déjà un départ. Les divisions entre villageois semblent avoir été un facteur important dans l'arrêt du dialogue entre l'entreprise et les populations locales. Chacun a voulu tirer sa part de la situation. Et finalement, personne n'en est sorti vainqueur. Pour l'entreprise, c'est l'alibi parfait pour couper court à tout effort et continuer l'exploitation des terres du village sans aucune contrepartie. Le département de la Haute-Sanaga est le cœur d'un grand projet agro-industriel.
des concessions massives, ont permis à d'imposantes plantations d'y voir le jour. Beaucoup de terres restent à prendre, mais les entreprises ont aussi dû rebrousser chemin face à l'activisme de certains riverains. C'est le cas ici, à Wala, où Josepha Mbolo s'est battu pour ne pas voir les terres de son village être cédées à une entreprise. Pour empêcher l'installation d'une société d'exploitation, il a décidé de bloquer l'accès à ces terres en abattant plusieurs arbres en travers de la route. Donc, c'est cet arbre. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, voici la carte de la zone de Wala. Ici, nous avons Wala sur la nationale numéro 1. Et voici au niveau de Wala, où j'avais abattu le premier arbre ici, le deuxième, le troisième. Et voici la route même que j'avais créée qui part de la nationale numéro 1. Comme ça, ça tourne, ça atteint les rails. Et c'est à partir d'ici qu'ils ont donc mis les bornes tout autour. Parce qu'ils ont pris toute cette savane que vous voyez là, représentée ici, bornée par la commission départementale, et qui ont pris 1015 hectares pour donner au projet agricole chinois. 1015 hectares, alors que la concession n'en prévoyait que 100. 1015 hectares, dont les terres de Joseph le long de sa route. C'était le 24 mai 2011, pendant que je coupais le troisième arbre, d'ailleurs que vous voyez derrière là, qui est malheureusement déjà abîmé. Pendant que je coupais le troisième arbre, le commandant de brigade est venu avec un de ses éléments. Ils sont venus nous arrêter. Ils m'ont arrêté, ils ont arrêté le scieur. Et on s'est rendu à la gendarmerie avec le sous-préfet dans les rangs. Parce qu'il faut bien mentionner que le sous-préfet était là. Alors ils nous ont arrêtés et on est allé à la gendarmerie. Et c'est là où on a été gardé à vue pendant 8 jours. Et après, transféré à la prison principale de Nangai-Boko, où nous avons fait pratiquement 4 mois. Joseph est alors poursuivi pour abattage illégal d'arbres, entrave à une voie publique et rébellion. Sauf que, document à l'appui, il prouve qu'il s'agit d'une voie privée. Après une bataille juridique qui dura 6 ans, Joseph est reconnu non coupable. J'ai été relaxé pur et simplement par la cour d'appel. Je crois que le document qui atteste est là, où la cour d'appel va me blanchir, disant que je n'étais pas coupable de tous ces chefs d'accusation. Avec les remous provoqués par le procès, la société d'exploitation décide de se retirer du projet. Une victoire amère pour Joseph. Si j'étais visé par les autorités, c'est parce que depuis fort longtemps, je travaille pour le compte de l'environnement et les droits de l'homme. Ça veut dire que je suis un défenseur de l'environnement depuis 1990 à peu près. Et là, je dénonce un certain nombre de choses, un certain nombre des abus, la corruption et tout ce que les autorités et les fonctionnaires font dans le département. La loi est là, elle n'est pas appliquée. C'est une loi qui a été mal conçue. La loi foncière, par exemple, elle a été mal conçue. Elle est en faveur de l'État. Mais pour les populations, elle n'est pas vraiment en faveur des populations. Les organisations, la société civile qui travaillent dans l'environnement, dans ce domaine, ont beaucoup de difficultés. Ça, il faut le reconnaître. Ils ont beaucoup de difficultés à travailler. Il y a d'autres qu'on arrête et d'autres qu'on essaye d'intimider. On essaie de les intimider pour les empêcher de travailler comme il se doit.
C'est là la réalité des défenseurs des droits au Cameroun. Intimidation, détention arbitraire, Norbert, Emmanuel, Joseph, tous ont connu ça. Le mépris de la loi, l'absence de dialogue, face à un système entier aux dépens des premiers concernés, les populations locales. Au Cameroun, au Congo, au Gabon et en République centrafricaine, ce sont au total plus de 2 millions d'hectares de terre qui sont réclamés pour des projets agro-industriels. L'ampleur du phénomène a suscité une réaction. La société civile se mobilise et les ONG s'attaquent au problème. Par la sensibilisation des populations et en favorisant le dialogue, une solution peut être trouvée pour conjuguer développement et vivre ensemble.